days ago. Je suis arrivé mardi soir. Je suis claqué, je suis fatigué, mais un peu comme tout le monde. Tout le monde a une saison longue. D'habitude, on a toujours un petit break avant de reprendre l'équipe de France, là on a enchaîné directement. Les jeux obligent, donc il faut s'adapter. Ludo, on va démarrer par du jeu rapide, tu sais, des 4 contre 0, des 4 contre 3. Tu resteras tôt, noir toi, dans l'équipe de scène. Vu les pics côtés ce matin, on va donc travailler avec une défense à hauteur, une défense chaud, une défense en inversion, et qu'en attaque on soit capable de trouver les bonnes solutions et bouger correctement ensemble. C'est de la bonne sueur. Le blanc rouge. Guadeloupe. Ah, France. Allez, Guadeloupe. On va le faire parler, tu vas me dire si tu comprends ce qu'il dit. Allez, allez, Yark. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Non. Handshake, mec, handshake. Attends. Non, il veut pas. Enlève les sous-titres. Enlève le sous-titre. Pas de sous-titres. Quand il parle comme ça. Moi. Quand il parle Yark, personne ne comprend. Il n'y a que Kevin, Charles, Bokolo qui arrivent à comprendre. C'est les stocks. C'est les strong de la salle. Je peux pas jouer avec lui quand fait les sexes. Tout le monde connaît Yac Lagnac. Le bison futé. Normalement les rookies, bon, toujours on leur fait chanter tous les anniversaires. Chaque fois que c'est l'anniversaire d'un des joueurs, on le fait chanter. Bon là il se trouve que Rudy, le rookie, c'est son propre anniversaire. Donc il va devoir chanter joyeux anniversaire à lui-même. Et donc en avant-première de son anniversaire. Il va chanter joyeux anniversaire à lui-même devant vous. C'est sympa. Allez, Rudy. Allez. Joyeux anniversaire à moi-même. Joyeux anniversaire. Bravo. Bravo. C'est le coach de moins de 20, Jean-Louis Toupane, qui m'a dit l'entraînement. J'étais après. Bah, j'étais content, hein, forcément. C'est vrai que c'est pas rien. Même si bon, c'est plus pour remplacer les blessés quand même. C'est une super opportunité. Et là, nous sommes dans le lieu de vie de l'équipe de France à la Villa Navarre à Pau. Donc, c'est ce qu'on appelle la salle de soins. Ça tourne, soit au nombre des sélections, les plus vieux sont prioritaires, ou alors les plus vieux viennent en seconde partie de soirée quand les jeunes sont passés. Voilà. T'as combien de sélections ? 25. D'accord. T'en as combien ? 27 ? Non, pas 27. T'as démasqué toi. 27 ? T'en as 27. Qui a dit ça ? C'est Nico. Nico, il sait pas. Nico, moi j'ai rien dit. Moi. T'as vu, il a rien dit du tout. Quoi ? Il a rien dit du tout. Allez. 27, c'est ça ? Viens, Urbanet. On va finir avec lui. Urbanet. Je m'occupe de toi. Tu fais un pont ou quoi, Nico ? Hein ? Non, vas-y, vas-y. Tu fais un pont longtemps ? À Blanc, c'est bon ? Bon, vas-y. De toute façon, ça parle aux sélections. Allez, on y va, je crois, sur toi. Sélection ? Ok. Non, sélection, tranquille. Sélection. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui a dit sélection. Attends, tu tiens le portable s'il te plaît, Serge. Oui. T'es avec qui dans Kanoke avec Benoît ? Allez. T'es avec qui dans Kanoke ? Je te laisse pour l'instant, mais je reprends après. Il y a un Nando. Mais il est pas là. C'est mon waf. C'est mon waf. Comment ? Oui, mais quand j'ai fini, je le reprends. Je reprends mon waf. Mais je le reprends mon waf après. Oui, mais ça fait 3 ans que c'est mon waf. C'est moment Secret Story. On sera bien d'accord, on n'est pas fan. Professionnel. On n'est pas fan, on est juste en mode bêtise. On est fan, allez, vas-y, c'est bon. Toi, t'es fan. Ouais, je suis pas bien fan. Bon, vas-y, je vais regarder tout seul dans ma chambre. Bah, vas-y. Okay. Fabien est fan. C'est bon, ça va, c'est bon, la cohésion.
Pas tout dans ta chambre, pas de collision en équipe. Aïe. Ah, la cheville d'escalier, ouais, quand même. Pour montrer la cheville. Ah oui, vas-y, ouais. Ah oui, oui. C'est ça, grand mouvement. C'est le truc qui nous a fait gagner une médaille l'année dernière. C'est pour ça qu'on a une médaille. C'est ce fou rire. Mon Dieu. Soudain, la chute. Ah, c'est ça. Soudain, la chute. C'est génial. Digitigrade, plantigrade. Côté de genoux. Et le Cameroun. Non, 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 non. Là. Aïe. Ah putain, j'ai pas le produit. Aïe. Mais non. Ah les caves. Attends, mais les plus, c'est quand même ça, c'est le gros. Ça va faire mal. Oh, alors. Ils ont pas mis qu'elle va chercher les petits pois pour les mettre. Elle met des petits pois. Mais non, elle met des frites congelées. Des frites congelées. Des frites congelées pour faire de la glace. Oh mon Dieu. Café, go. On envoie tout ça. On envoie les places. Ouais. Pour les comptes. 4, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 12. Ludo, tu es responsable de cette section. Moi, je connais déjà. Kevin, tu es responsable de cette section. Et on dit, comme c'est ton anniversaire, tu as deux sections. Ça, c'est là et celle-là. OK. Donc après, vous choisissez. Hein. Attends, ça, c'est la section à Kevin. C'est moi. Les gars, les gars, ça, c'est la méga, section à Kevin. Il y a Méga. Ça, c'est la section à Ludo. Et ça, c'est la section à Rudy. Vous choisissez. Personne n'a envoyé à Ludo. Ludo, il est bien. Ludo, il est droitier. On part dans 5 minutes. Tu es là-haut. Rudy. On part dans 5 minutes. On va manger. Jusqu'au prochain match. Sauvez Willy. Dépêche-toi, t'as deux ballons. T'as deux ballons. C'est pas parce que t'es pas rookie que tu peux m'insulter. Tournez le film Sauvez Willy. Ouais, tu fais le premier. Il est là-haut. Première année, là. Encore rookie. Sauvez Willy. Et jusqu'à la fin. Si Kevin ne se plaindrait pas. À la fin du training camp, jusqu'au premier match. Je me fais visiter deux fois, c'est pas normal. Maintenant que je suis loin du capitaine, le système est corrompu. Je peux dire la vérité maintenant. Je vous dis, message à tous les prochains jeunes hein, en équipe de France. Alors c'est sûr que je vais pas vous louper. Moi je vous dis, Evan, Léo, Rudy quand il va revenir. Hey les gars! Les gars, maintenant que j'ai vu que toute l'équipe est contre moi, s'il y a une baston, comptez pas sur moi. Bah, je vais beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai eu une grosse frayeur, peut-être la plus grosse frayeur de ma carrière. J'ai eu peur quand on m'a annoncé que je devais me faire opérer. Mais bon, dans mon malheur, j'ai eu quand même de la chance, j'ai pas perdu mon œil et aujourd'hui je me sens bien et j'essaye de rester positif parce que j'ai vraiment envie d'aller au JO. C'est joué en mordant ça, hein, se brosser les dents, surtout pour les petits là, qui mangent des bonbons là. Le rêve des JO n'a pas commencé l'année dernière parce qu'on s'est qualifié, mais ça a commencé depuis 2000. La date de la dernière participation de l'équipe de France aux JO. Je pense qu'il n'y a pas plus belle chose, en ce qui me concerne, il n'y a pas plus belle chose dans une carrière de sportif de vivre ces JO. Et vraiment, j'en ai tellement entendu parler que ouais, je suis vraiment comme un gamin. Il y a l'amour du maillot, mais il y a aussi la confiance. Je pense que quand j'arrive en équipe de France, c'est vrai que ma confiance augmente, puisque je sais que mes coéquipiers, mes coachs et tout l'encadrement me font confiance. Après, il y a
d'autres statuts qui rentrent en rôle et en jeu. Et voilà, je pense que c'est plutôt le statut qui change par rapport à le joueur qui est en équipe de France et le joueur qui est en Espagne. Donc quand le statut est différent, forcément la différence se ressent. En tant qu'ancien de l'équipe de France, j'ai cette chance d'avoir une petite terrasse avec les Pyrénées en face. Normalement, je me pose là avec mon petit café, mon téléphone en main avec la famille. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas plus beau, c'est beau la vie de sportif. Et la suite s'appelle la suite Boris Diaw. Donc il s'est mis la plus belle chambre, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai eu avant lui. Quoi. Bah, dans ma tête, c'est impossible que je loupe les JO. Enfin, je ne me vois pas les louper. Donc j'essaye de tous les jours d'y croire. J'espère que mon œil va récupérer plus vite que prévu. Et j'espère que j'aurai l'autorisation et après défendre les couleurs de la France aux JO. Merci beaucoup Tony Parker pour ses explications sur le basketball. Excellent rétablissement à vous. On aura trois matchs d'affilée, mais le premier c'est toujours le plus dur parce que il faudra bien être en place. Mais bon, on sait par expérience que ça ne va pas être un basket parfait. Il y aura beaucoup d'imprécisions. Donc voilà, dans ce cas-là, il faudra être vraiment tolérant. Bah nous aussi joueurs, de savoir qu'on n'est pas encore à 100%, donc il faudra être patient et vraiment jouer un jeu propre pour pouvoir progresser. On prend plaisir à venir les voir, même s'ils sont en début de préparation, c'est que tout sera pas parfait. Mais voilà, pour les valeurs qu'ils incarnent, on se déplace et on est heureux de venir les voir. C'est un premier match et il a la particularité, on veut jouer contre une équipe qu'on ne connaît pas, même si Yann nous a donné quelques infos, c'est quand même une équipe qu'on ne connaît pas et qui en plus est présumée plus faible. Donc c'est deux choses qui peuvent très vite nous faire tomber dans la facilité et la suffisance, et il ne faut pas. Parce qu'on travaille pour nous ce match-là, on a pris cette équipe-là comme adversaire, après-demain c'est la Côte d'Ivoire. Dans les deux cas, ce qu'on veut, c'est progresser. Mais d'une façon générale, on veut essayer de rapprocher notre jeu de ce qui caractérise le haut niveau. Et l'une de ces caractéristiques, c'est la capacité à passer très vite de l'attaque à la défense et de la défense à l'attaque. Les 4 premières secondes, c'est fondamental. Donc dès qu'on pique un ballon, dès qu'on prend un rebond défensif, il faut être obsédé par le fait de respecter à la fois les couloirs, mais aussi courir. Courir, lâcher la balle. Il faut marquer vite. Ça, c'est important. Et après, ça ne veut pas dire cavalcade. Être capable de savoir poser le jeu. On ne peut pas faire que de la course. Mais nos phases de course doivent être tranchantes. On doit déjà voir nos capacités de vitesse. Peut-être qu'on ne pourra pas les voir 40 minutes, bien qu'on ait quand même du personnel et qu'on peut changer les joueurs. Mais on doit les voir au moins sur une certaine durée dans le match. De la réactivité, replier vite, être compact, ensemble, cohérent. On va faire des erreurs, les gars. On a peu travaillé, on va encore travailler à Orléans sur les aspects défensifs. Il y avait la volonté de ne pas faire trop de défense la première semaine. Donc il faut de la concentration, de la communication. C'est aussi un exercice. Il faut parler, ok? Allez, au revoir. Allez, gars. Le blanc rouge. France. Fighting the waves of the sun and there's no one will hear. Now look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. Socks in the night when there's nobody there. Look at him working.
writing the words of a sermon that no one will hear. They'll look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Je suis fier d'avoir porté le maillot, bon, même si je l'avais déjà porté en jeune, donc je savais un peu ce que ça faisait, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même de porter le maillot avec l'équipe A pour la première fois. Beaucoup de routes, on le sait, mais ça fait partie du métier, donc il faut savoir se reposer. Je pense qu'avant tout, c'est le repos. Faire attention de ne pas se cramer, faire attention aux blessures. Et donc, entre chaque transfert, mais on essaie justement de profiter un maximum des temps de repos. Waouh, c'est quoi le casque à... Non, mais il fallait que tu le montes à la caméra. Skull Candy, c'est une tasse de Jay-Z, moi je m'en fous. Hein. Skull Candy. Il est gratuit en plus. Il est gratuit en plus. Par Jay-Z, il y a plein de différences. Jay-Z. Non, Jay-Z. Jay-Z. Si c'est Jesse James, c'est pas pareil. Tu vois. C'est Jay-Zahir. Les anciens ont leur place dans le bus depuis longtemps, donc on sait où on s'assoit. Les habitudes sont différentes aussi, les fans jouent aux jeux de cartes. Il y en a quelques-uns qui vont regarder des séries sur leur ordinateur. Donc ça dépend, chacun a sa petite routine. C'est toi là-bas, là, de moins de 20 ans là. Et tu vas faire le malin, tu vas arriver. C'est moi quoi, Rudy quoi. Rudy, hein, c'est moi la cape. Donnez-moi tous les ballons. Arrivez à dire, donnez-moi tous les ballons. Je vous plaisir. Et tu vas dire, j'ai joué avec FP, Tony P, ST, MG. Là, on est sous le fonctionnement NBA, c'est-à-dire enregistrement à l'hôtel et bus sur le tarmac et embarquement immédiat. Voilà. Et on aura la même chose à l'arrivée à Périgueux. Voilà. C'est France Formule NBA. J'ai pas mis le polo, j'ai mis le t-shirt. C'est 40 euros d'un monde. Ça fait chier de mettre mon argent que je gagne à sur mon franc à Boris Joe. Voilà. Merci. Voilà. Sun, 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 sun
ça reste encore que le début de la prépa. Le plus important, je pense, sur les aspects défensifs, c'est d'être ensemble. Ça va être un point important pour la suite. On fait comme les vaches chèvres, là, tu signes sur les... Il y a Tony Parker. Tony Parker. Tony Parker. Tony Parker. Tony Parker. Bon courage. Merci. Ça se passe bien de par les résultats. Le staff et toute l'équipe est en train de travailler afin de récupérer l'ensemble des joueurs. On sait très bien que ça va être une longue histoire. Jusqu'au début des Jeux Olympiques, on sera obligé de faire avec les blessés, de faire avec ceux qui ne peuvent pas jouer mais qui vont pouvoir rapatrier le groupe, ceux qui s'entraînent avec le groupe et qui ne peuvent pas jouer. C'est véritablement une histoire compliquée. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sports collectifs qui soient dans la même situation que nous. Ça va monter d'un cran, ça c'est évident. Les places à jouer, bon, effectivement, c'est permanent. Mais on sait très bien qu'il y a une hiérarchie qui est déjà plus ou moins établie et que certains joueurs, lors de leur retour, auront certainement ou acquerront certainement une place. Mais ce qui est important quand même, c'est de faire monter en puissance le groupe qui travaille depuis maintenant 15 jours, de faire monter en puissance tranquillement, de façon à ce que, à l'approche de l'échéance, à l'approche de la compétition, on sente que le groupe est monté et a pris la mesure de ce qui nous attend. Pour les JO. Come walking out.